atteignons la côte d'Emerald, dénommée Costa Smeralda. Le développement touristique de cette côte est dû à la fortune et au dynamisme de l'Aga Khan. Au cœur de la Costa Smeralda se trouve le village résidentiel de Porto Cervo, dû à l'architecte français Jacques Couel. Après le déjeuner, nous avons l'occasion de visiter la magnifique petite église Stella Maris, dont l'architecture n'est pas sans rappeler les formes des églises des îles grecques qui ont inspiré l'architecte Le Corbusier pour la réalisation de l'église de Ronchamp. Ça fait partie des... Ah, il est descendu. Il y a une chose.
les photographes. Grazie.